Bonjour à tous. Cette étape, tracée dans l'arrière-pays niçois, sera probablement mouvementée. Avec des difficultés placées tout au long du parcours, les occasions de passer à l'offensive ne manqueront pas. Une journée intense qui vous attend, les gars. L'étape est courte, presque jamais plate. Il va falloir rester tout le temps vigilant. Bonne étape. Ça a bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Aussi efficace dans les montées courtes que dans les cols, c'est aussi un bon rouleur capable de s'imposer en solitaire. Rappelons que sur un sprint intermédiaire, les 15 premiers à franchir la ligne empochent des points pour le maillot cyclamen. Continue comme ça. Tu devrais passer seul en tête au sprint intermédiaire. L'échappée est à 3 km du sprint intermédiaire. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Écart stabilisé. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Bon boulot. On prend la tête du classement pour le maillot cyclamen. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Les voilà! Bravo les gars! Et voici une contre-attaque. Continuez comme ça, allez! Continuez comme ça! Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Allez, allez les gars! Les voilà!
Le contre a l'air bien parti. Tu devais peut-être les attendre. L'arrivée est encore loin. Il tente de sortir du peloton. La course à bord de la première côte de la journée, la côte de Lévins, une première difficulté qui devrait permettre aux hommes de tête de creuser l'écart. Il tente de sortir du peloton. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez, allez, allez. Continue comme ça. Seuls les quatre premiers coureurs au sommet marqueront des points pour le Grand Prix de la montagne. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. De perdre le contact. L'écart diminue. Le peloton n'a pas abdiqué. Cette étape doit faire partie de ses objectifs, car ses équipiers gèrent déjà l'écart. Allez les gars, courage!
C'est encore un jeune grimpeur. Il va devoir progresser pour jouer les premiers rôles. Allez, allez, allez les gars, courage. Allez les gars, allez, go, 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 allez, continue. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. On continue! Courage, allez, courage! Allez, allez les gars! Les voilà! Allez les gars! On approche d'une nouvelle difficulté, le col de Châteauneuf. Là encore, il y aura 5, 3, 2 et 1 point à glaner pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Courage! Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Allez les gars,
L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Il semble intéressé par la victoire d'étape. Ça doit être pour ça que ses équipiers roulent. Lui aussi semble intéressé par la victoire d'étape. Ses équipiers roulent aussi. Les coureurs entament maintenant la côte de Calaisson, dernier Grand Prix de la montagne, classé en deuxième catégorie. Voilà un jeune grimpeur prometteur, mais qui a encore pas mal de lacunes, en plaine notamment, et puis au sprint. Nouvelle attaque en tête du peloton. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Tu sembles être le meilleur puncheur du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Allez, allez, allez,
Il reste un peu plus de 50 km à parcourir. Avec la côte de Peille et le col d'Aize, on peut dire que la course entre dans sa partie finale. Et si certains veulent tenter de dynamiter la course, ils vont pouvoir passer à l'offensive dès maintenant. La côte de Peille, c'est un peu plus de 6 km à 7% de pente moyenne. Une bonne occasion de tester l'état de forme de ses adversaires et pourquoi pas de tenter une attaque décisive. Les 6 premiers coureurs au sommet empocheront des points pour le classement du Grand Prix de la montagne. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Le peloton a une trentaine de retard sur vous. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Nouvelle attaque en tête du peloton. Un équipier est en train de perdre le contact. Vous avez 30 secondes sur le peloton. T'as 30 secondes sur le peloton. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Les premiers franchissent le sommet de la côte de Peille. Ils vont maintenant se diriger vers le second sprint intermédiaire de l'étape qui sera disputé dans la commune de Saint-Martin-de-Peille. Allez, allez, allez.
Tu approches du sprint intermédiaire. À fond, va falloir accélérer à l'avant. C'est désormais une longue descente qui va conduire les coureurs en direction du col d'Aize, dernier col de la journée. D'accord, on se ravitaille. Devant, c'est le mieux placé au général. Échappée terminée. Chérie, allez, 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 allez.
L'ascension du col d'Aize débute pour la tête de course. Si un coureur passe seul en tête au sommet, il aura de grandes chances de s'imposer car ensuite la route ne fait que descendre jusqu'à l'arrivée à Nice. Il essaye de sortir, attention! On est sur le lieu de nombreuses étapes finales, notamment sous la forme d'un contre-la-montre. Le col d'Aize est une ascension presque inévitable sur Paris-Nice. Des coureurs comme Stephen Roche, Tony Rominger ou plus récemment Richie Porte s'y sont imposés. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. L'ascension est classée en première catégorie. Il y aura donc 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Attention à lui. C'est le meilleur puncher de l'échappée. Il attaque. Pour le moment, laissons l'équipe du leader contrôler. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Personne n'a réussi à s'isoler dans le col d'Aize. On risque d'assister à un sprint en petit comité sur la promenade des Anglais. La descente vers Nice n'est pas très technique. Il y sera difficile de combler ou même de creuser des écarts.
est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il passe à l'offensive. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Il essaie de sortir du peloton. L'homme de tête arrive sur la promenade des Anglais. C'est maintenant tout plat jusqu'à l'arrivée. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Allez, donne tout au sprint. Pas de regret. Allez, allez. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Vico Kelderman. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot rose de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot cyclamen de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot bleu de cette épreuve. Romain Bardet. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. João Almeida. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot bleu, c'est très...